Voilà, aujourd'hui les conditions sont plutôt bonnes, hein, vu ce qu'on a vu hier, là, le ciel est bleu, il fait pas trop chaud encore, la neige porte, hein, le regel est quand même suffisant pour évoluer, hein, on voit qu'à ski, on traverse pas la croûte, donc ça c'est quand même un bon point, et voilà, il va falloir gérer le timing maintenant pour pas descendre trop tard, pour pas traverser la croûte et s'exposer à un risque d'avalanche. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le triptyque Pelson d'Arva sur vous. Vous l'avez bien, oui, vous avez la pelle et la sonde. Ouais, c'est tout bon. Donc quand votre DVA est en mode émission, ce qui est important, c'est de le mettre minimum 20 cm de votre téléphone portable. Et ensuite, quand vous faites une recherche, donc quand le DVA est en mode réception, c'est important de mettre plus, minimum 50 cm. D'accord? Donc ce que je vous propose là, c'est de tester votre DVA en mode émission et en mode réception. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez basculer, si vous savez le faire, votre DVA en mode réception. Alors gardez votre DVA à la main, hein, en mode réception. Moi, je vais me mettre un petit peu plus loin en mode émission et vous allez venir un par un. Je vous fais signe et on va voir si votre DVA me capte bien, hein, lorsque je suis en mode émission. Ok pour moi, donc vous allez venir me voir un par un, vous vérifiez bien que votre signal décroît, hein, et puis on regarde un petit peu voilà ce qui se passe sur l'appareil. Je te laisse venir. Voilà, quand tu arrives près de moi, on va regarder si le signal est cohérent. Hein, voilà, le DVA sonne bien, on a vraiment une valeur minime. Donc ouais. Là c'est bon, je te laisse avancer là à 50 mètres. J'espère que le signal décroisse. Ça se dit ça. Ok, quand tu arrives près de moi, on va vérifier que ce soit bien cohérent. Ok, nickel. Je vais te laisser rebasculer en mode émission. Donc maintenant on va vérifier votre DVA en mode émission. Donc voilà le mode hein, qu'il faut avoir quand on évolue. Hein, c'est super important de rester en mode émission. D'accord? Donc moi je suis en test de groupe. Donc on s'écarte un petit peu, comme vous êtes, c'est parfait là. Et je vais vérifier donc le mode émission. Donc, voilà, j'attends d'avoir un signal. Hop, là je vois que j'ai un signal. Juste à 1 mètre, hein, ça suffit. Voilà, hop, ça suffit. On voit que le DVA fonctionne, j'ai un signal. Et voilà, c'est tout bon, on peut y aller.